Bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent pour cette soirée d'information autour d'Art Supplil. J'ai invité ce soir des professeurs, des étudiants qui vont témoigner sur leur expérience en espérant que ça réponde à un maximum de vos questions. N'hésitez pas dans le chat à mettre les questions auxquelles nous ne répondrions pas tout au long de la soirée. Laura et Sarah sont là pour vous répondre. Nous allons commencer tout simplement par vous expliquer que nous sommes Art Supplil, une école de design autour du jeu vidéo, du cinéma d'animation, de la communication visuelle, de la direction artistique. Notre campus est situé en centre-ville de Lille, au 10-12 rue du Bas-Jardin. C'est juste à côté du parc Jean-Baptiste Lebas, entre deux stations de métro, la station Porte de Douai et la station République. Donc nous sommes extrêmement faciles d'accès. Moi, je suis Mathieu Levis, je suis le directeur de cet établissement. Pour me présenter un petit peu, j'ai commencé mon parcours dans l'éducation nationale en tant que professeur d'anglais. Et ensuite, je suis parti chez Orange. Ce groupe, je suis progressivement devenu directeur marketing et communication. Et je m'occupais notamment des équipes créatives, ce qui m'a amené progressivement à rejoindre le groupe Ankama. Ankama, c'est une entreprise de divertissement qui produit des jeux vidéo, du cinéma d'animation. Et j'y étais également directeur marketing et communication. Et j'ai rejoint ensuite Art Supplil Lille. Art Supplil, comme je vous le disais, ce sont tous les secteurs que j'ai aimés et dans lesquels j'ai travaillé. La communication visuelle, le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Aujourd'hui, chez Art Supplil Lille, je ne travaille pas seul. Je suis entouré d'une équipe, pédagogique avec Sylvain Coste et Stéphanie Buchon. Et puis Laura Mangelaire et Sarah Kelifi qui s'occupent des admissions et avec lesquelles vous pouvez discuter dans le chat pendant que je vous fais cette présentation. Plus largement, IARTSUP, ce sont 10 écoles en France, il y a 10 campus, et ces campus, ce sont des campus IONIS. IONIS, c'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, et vous allez y trouver d'autres écoles, comme par exemple l'ISEG, une école de communication et de marketing, ou Epitech, une école d'ingénierie et de développement. Et nous travaillons en synergie avec ces écoles, ce qui est notre force. C'est-à-dire que nos étudiants, qui sont des spécialistes du design, vont être amenés à collaborer durant des semaines balisées dans l'année sur des projets de grande ampleur, où ils vont pouvoir apprendre à travailler comme en entreprise, avec des compétences différentes des leurs et des personnalités différentes des leurs. Concernant IARTSUP, nous sommes une école qui accueille des étudiants dont l'expression naturelle est artistique. Il y a un bouillonnement créatif chez ces étudiants et nous leur apprenons à canaliser ce bouillonnement créatif et à le transformer en compétences professionnelles qui les amènent à un véritable métier qu'ils vont pouvoir pratiquer dans les industries dont ils rêvent. Pour cela, nous mettons l'accent sur la professionnalisation. Au niveau national, nous sommes membres de l'AFJV, l'Association française du jeu vidéo, du SNJV, du Conservatoire national du jeu vidéo. On est présent au Festival d'Annecy, qui est le plus grand festival d'animation de France, mais aussi au niveau international. On fait partie du club des directeurs artistiques. Spécifiquement à Lille, nous sommes également membres de NORANIM, l'Association des professionnels de l'animation des Hauts-de-France. Nous faisons partie de Gaming, qui est l'association des professionnels du jeu vidéo des Hauts-de-France. Et nous faisons partie de Place de la Com, qui est le plus grand réseau de professionnels de la communication des Hauts-de-France. Donc nous sommes très intégrés au tissu professionnel des industries dans lesquelles nous travaillons. Et c'est pour nous extrêmement important. C'est extrêmement important parce que cela nous permet de délivrer des titres certifiés par l'État, des titres RNCP de niveau 6 et 7, et que pour cela, nous faisons appel à des intervenants qui sont avant tout des professionnels des secteurs dans lesquels nos étudiants seront amenés à travailler. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des professeurs, ce sont avant tout des professionnels qui ont ces métiers et qui libèrent leur temps pour venir transmettre à nos étudiants. Aujourd'hui, en France, nous avons plus de 2000 étudiants dont 400 sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils travaillent déjà en entreprise avant la fin de leurs études. Nous avons un réseau qui est non seulement national, mais aussi international, avec 5 antennes dans le monde, à New York, Berlin, Bruxelles,
Genève et Barcelone. 95% de nos professeurs sont avant tout des professionnels et nous avons 400 professionnels qui collaborent et qui transmettent auprès de nos étudiants. Enfin, et avant de passer véritablement à l'explication de nos programmes et à la rencontre avec nos intervenants, il faut savoir que nous sommes une école multiprimée avec énormément de récompenses dans l'ensemble de nos secteurs et je vous propose de les découvrir en vidéo. Voilà, beaucoup de prix et de récompenses et on aura le plaisir tout à l'heure d'accueillir Rachel Revel qui a gagné l'un de ces prix et qui viendra nous parler de son parcours en master. Mais avant ça, l'objectif de cette réunion, c'est surtout de vous donner une vision d'ensemble des filières que nous proposons et nous allons donc parcourir chacune de ces filières, direction artistique, jeux vidéo et animation, et nous allons commencer avec la direction artistique. Et pour ça, on accueille Jérôme Van Popperin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu, hors de l'école, ce que tu fais? Alors, je vais peut-être, avant, vous parler un peu de pourquoi j'ai choisi ce métier, en fait, parce que je pense que c'est important par rapport, justement, à ce qu'on va y faire plus tard, à ce qu'on y fait aujourd'hui. C'est qu'en fait, moi, au départ, je voulais être, quand j'étais jeune, je voulais être laborantin ou archéologue. Ou alors faire des décors de théâtre. Voilà. Donc c'était un peu les trois métiers qui m'intéressaient. Ils sont très différents. Et voilà. Mais justement pas si différents que ça parce que au final en direction artistique aujourd'hui donc je suis directeur artistique indépendant. Et ben au final on va retrouver ces trois métiers. C'est-à-dire que côté archéologique, c'est-à-dire qu'on va aller fouiller en fait dans ce qui se passe dans la vie de tous les jours, voire même dans le passé. On va faire le côté laboratoire puisqu'on va innover, on va essayer de trouver aussi des solutions qui sont technologiques, qui sont étonnantes, qui sont nouvelles. Et puis on va aussi le décor de théâtre, c'est en fait la direction artistique, c'est-à-dire comment je vais habiller tout ça et comment je vais construire justement cet univers qui va permettre à la communication de faire voyager les gens en fait dans cet univers de mots, d'images et de plein de choses. Alors, quelquefois, c'est assez difficile pour certains publics de comprendre ce que c'est que la direction artistique et surtout quel métier ça représente. Alors, directeur artistique, c'est un vrai métier, mais qui ne parle pas forcément à tout le monde. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce que fait un directeur artistique? Alors, c'est vrai que directeur artistique, c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de métiers, dans la mode, entre guillemets, dans le théâtre, dans la culture et aussi dans la communication. Alors, dans notre cas, qui est donc la communication, le directeur artistique, en fait, va donc diriger, avoir cette étape de direction, de donner un sens, en fait, à la communication, donc d'être garant de l'image, en fait, hein, du message qui va passer tout au long, en fait, du média, en fait, des médias qui vont être utilisés. Donc, il va faire l'ensemble des choix. Il va, alors, choisir, c'est renoncer aussi, c'est-à-dire, il va dire, on fait ça, on ne fait pas ça, et il va faire l'ensemble de ses choix de manière à respecter le message et la volonté et à ce que la création finale reflète l'objectif d'origine. Un directeur artistique dans la communication, il va travailler dans quel contexte, par exemple? Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est qu'on va travailler dans plein d'univers différents. C'est-à-dire qu'on peut travailler un jour sur une association avec un thème, justement, social. On va travailler le lendemain sur un packaging pour des croquettes pour chats. Et puis, 4 jours plus tard, vous allez travailler sur une marque de sport, sur des vêtements technologiques. Donc, l'intérêt, il est là aussi, c'est qu'au final, la direction artistique va permettre de toucher plein d'univers avec le point commun qui est l'image, en fait, et donc ce côté esthétique, en fait, hein, qui est super important. Et donc, toi, aujourd'hui, en tant que professionnel, tu travailles dans quel contexte et sur quel sujet, par exemple?
Alors, je pourrais pas vous donner de nom précis parce que mes clients seraient pas, voilà, exactement. Mes clients seraient pas forcément d'accord. Je n'aurais pas demandé l'autorisation. Mais, voilà, comme je viens de le dire avant, voilà, ça peut être effectivement l'univers sportif, hein, pour des marques de sport nationales. Ça peut être une petite association de quartier ou, voire même locale, sur un thématique, par exemple, sur une ferme urbaine. Ça peut être du packaging, voilà, pour, j'en parlais, des croquettes pour animaux. Ça peut être aussi une charte graphique pour un petit commerçant. Voilà, c'est très, très large. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler tous les supports. C'est-à-dire qu'en fait, la direction artistique n'est pas uniquement de l'affichage, mais c'est aussi justement, on va travailler de l'image animée, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo, ça peut être, pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure, mais du stop motion, ça peut être du print, puisque le print aujourd'hui est encore un média qu'on utilise. Hein. On va imprimer des plaquettes encore quand même, très peu, mais encore, et surtout aussi des affiches. D'accord. Donc pour ça, il faut être un couteau suisse, il faut savoir faire plein de choses. Aujourd'hui, nos étudiants, ils ont tout d'abord un bachelor, donc en 3 ans, qui donne ensuite sur un master. Durant le bachelor, que vont apprendre nos étudiants ? Alors, sur le bachelor, on va repartir surtout des bases, puisqu'au final, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances et de culture, et chose qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas. Et donc, on est là aussi pour justement compenser un petit peu ce manque. Et donc, on va repartir sur les grands basiques, hein, sur les artistes, sur les cultures publicitaires aussi, qui est important, puisqu'on a, c'est un sujet qui a évolué depuis des années, mais qui est encore là aujourd'hui. Hein, le mot publicité a un peu disparu. On parle de communication, on parle de réseaux sociaux, on parle de choses qui sont un peu différentes, mais au final, les recettes sont toujours les mêmes. Hein. Donc on va, premier temps, retravailler sur cette culture, et ensuite, apprendre justement à travailler des recettes, c'est-à-dire quelles sont les méthodes pour créer, pour imaginer, puisqu'en final, tout le monde est capable d'imaginer, de créer aujourd'hui. Il suffit justement de savoir et de connaître justement les coulisses, hein, de ce métier. Alors, il faut aussi maîtriser des outils. Et donc, concrètement, quels sont les outils que nous allons apporter pour que les étudiants canalisent leurs envies créatives ? Alors, c'est intéressant de parler des outils parce que tout de suite, quand on parle d'outils, on pense informatique, on pense logiciel. Alors ça, c'est une étape importante qui viendra, moi, je dirais, dans un second temps. La première étape, c'est surtout justement la créativité et de savoir peut-être dessiner un peu. Donc c'est important. De partir d'une idée qu'on va avoir et qu'on va traduire visuellement sur un papier. Ça peut être un crayonné, ça peut être un rough, ça peut être un storyboard. Donc c'est quelque chose de très basique au départ. Et la seconde étape, ça va être effectivement comment je vais mettre en image et comment je vais produire justement cette idée. Et donc là, je vais passer sur les logiciels. Donc il y a cette partie logicielle importante, hein, de graphisme qui sont Illustrator, InDesign, Photoshop, j'en passe et d'autres. Et donc on va commencer par les plus simples pour au fur et à mesure arriver sur les logiciels les plus adaptés, les plus précis en fait sur les médias. Et donc en troisième année, on va être capable de faire quoi ? Bonne question. Alors, en troisième année, on est capable de lire un brief, c'est-à-dire d'analyser une demande d'un client. C'est la première chose à faire. Donc, si déjà je ne comprends pas la demande du client, je ne passerai pas à l'étape d'après. La deuxième étape va être justement de commencer à imaginer et à créer, donc d'avoir ce regard justement décalé pour proposer une communication étonnante, que ce soit donc des images, que ce soit des mots, parce qu'on parle aussi beaucoup d'images, mais la typographie par exemple aussi est importante, puisque la façon dont je vais écrire en fait mes messages va aussi avoir du sens. Et puis donc une fois que j'ai effectivement je suis capable d'imaginer tout ça, je vais passer sur la maquette et donc là commencer à prototyper, donc à créer en fait une première mouture de ma création. D'accord. Tu as dit un truc qui est très très important parce que je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête sur cette filière. Tu as parlé du brief du client. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes une école qui prend des profils artistiques, mais qui leur apprend un métier qui s'inscrit dans l'économie traditionnelle, on va dire. Et que donc, ce ne sont pas des artistes qui créent dans le vide, ce sont des artistes qui créent par rapport à un objectif. Et cet objectif leur est donné par le client. Est-ce que c'est une surprise pour nos étudiants ou est-ce que c'est quelque chose qui leur fait envie ? C'est toujours une surprise. Non, c'est vrai. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est reprise souvent, hein, mais qui est de Einstein, en fait, hein, qui est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et ça résume bien, c'est-à-dire qu'effectivement, le côté artistique, souvent, voilà, on est tenté de se dire, je vais faire du beau, je vais faire de l'esthétique, je vais faire un truc qui me plaît, quoi. Mais est-ce que ça, je reviens toujours à ça, mais c'est quoi le message? Et donc, effectivement, le but ici, c'est de leur montrer qu'on répond à une demande. Et donc, on répond pas à juste un plaisir de créer quelque chose de joli.
effectivement, ça, c'est une des étapes, mais à la fin, la question, c'est est-ce que ça répond à la demande de mon client? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que les gens vont comprendre ce que j'ai fait? Je leur donne souvent l'exemple d'un tableau, un artiste. Hein. Alors, un artiste va effectivement faire passer un message, mais il va vous déposer et il va vous laisser, entre guillemets, peut-être sans notice de mode d'emploi. Hein, vous verrez ce que vous voulez. Et puis, chacun verra justement, aura une vision différente. Alors qu'en fait, en communication, en publicité, l'objectif, c'est que logiquement, 95% des gens qui vont lire ou regarder votre message aient compris ce que vous avez voulu faire passer. Oui, comprennent la même chose, voilà. Et comprennent ce que moi, j'ai décidé qu'ils devaient comprendre. Donc, l'artistique, il est là, ok, mais effectivement, voilà, ce fameux artistique intelligent, c'est-à-dire qu'on va... c'est pas de la manipulation, mais un peu, hein, on va effectivement avoir ce côté je dirige vers quelque chose, et je reviens au métier, hein, la direction artistique, et donc je dirige vers quelque chose, et j'ai donc un axe précis qui m'a été donné lors du premier brief. Et donc, c'est souvent le cas, les étudiants, effectivement, hein, le brief, c'est un peu la contrainte, et d'ailleurs, un des éléments les plus importants dans un brief, c'est pas forcément l'objectif, c'est presque les contraintes. Comment je peux dépasser les contraintes? Alors, ce sont des contraintes de budget, souvent, mais ça peut être aussi une contrainte de ton, de manière, charte, voilà, de charte graphique, on parlait de logo tout à l'heure, etc. Donc effectivement, c'est un élément important à prendre en compte. Moi, je pense que ce qu'il est important que nos étudiants apprennent, et ce qu'on leur apprend, c'est aussi à trouver du plaisir dans ces contraintes, c'est-à-dire à se dire que ce qui est intéressant, c'est ce challenge, de se dire, bah non, je ne peux pas faire ce que je veux, je vais essayer de prendre du plaisir et d'être innovant dans le cadre qui m'est donné. Aujourd'hui, on a des étudiants qui ensuite passent en master, et on en parlera tout à l'heure. Dans le master, justement, on leur apprend à jouer avec ces contraintes et à être créatif, quel que soit le support. On a parlé de charte graphique. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est une charte graphique, parce que effectivement, il y a des tas de choses dedans. Quels sont les éléments d'une charte graphique que nos étudiants apprennent à travailler? Alors, c'est vrai que la charte, premier mot, c'est le logo, en fait. Hein, voilà, on pense au logo, mais au final, aujourd'hui, une charte, ça, c'était il y a 30 ans, 40 ans, hein, c'était juste un logo. Ça s'arrêtait là, et puis un papier à lettres, et voilà. Aujourd'hui, un logo, c'est une charte graphique, c'est beaucoup de choses, parce qu'en final, on va intégrer donc cette image première qui est le logo, la forme très, très simplifiée, en fait, de la marque. Par contre, autour de ça, aujourd'hui, on a beaucoup de médias, justement. On a des réseaux sociaux, on a des médias qui sont mis à jour tous les jours. Et donc, on va parler aussi d'iconographie, on va parler, c'est-à-dire de traitement de l'image, quel est le style d'image, comment je vais travailler ma photographie. Ça va être aussi le travail des couleurs, ça va être le travail de la typographie, j'y reviens, mais quelle typographie va traduire le plus facilement, le plus proche possible mon ADN, en fait. La typographie, c'est les polices de caractère, c'est l'écriture, en fait. C'est l'écriture de caractère, effectivement. Donc, aujourd'hui, on en a des milliers. Hein. Effectivement, cette forme graphique, comment écrit le message, en fait, va être très important et va faire partie de cette charte graphique. Mais on va avoir aussi, ça peut être du son, parce qu'en fait, hein, la charte graphique, elle est graphique, mais elle est aussi sonore aujourd'hui. On en parle un peu moins, mais elle existe. Il y a aussi la charte olfactive, qui on va rentrer dans la charte ADN de la marque, c'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin, il y a une odeur. Elle est en lien avec la couleur qui est dans le magasin, elle est en lien avec la couleur du logo. Et le son, vous allez entendre aussi, peut-être le style de musique va être aussi en lien avec la marque. Donc en final, un directeur artistique va aussi travailler, pourquoi pas, la totalité de ces éléments qui seront justement la carte d'identité de la marque. En fait. Toute l'identité. Voilà, exactement. Ces éléments, on les travaille aujourd'hui, donc en dehors des éléments olfactifs ou audio dont tu as parlé, sur les éléments visuels, on les travaille de manière complète, globale, et on peut même les travailler en mouvement. C'est ce qu'on appelle le motion design, qui fait partie intégrante de notre formation également. C'est-à-dire qu'en direction artistique, on a la possibilité de choisir une majeure motion design. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le motion design? Alors, le motion design, effectivement, simplement, c'est effectivement quelque chose qui est fixe au départ, hein, qu'on va animer. Donc, des éléments qui sont, pareil, je reviens à la même chose, hein, mais de la photo, de la vidéo, du texte, des éléments graphiques, pictogrammes ou autres. Hein. Et tous ces éléments-là, et la trois dimensions aussi, puisqu'on va pouvoir animer tout ça dans un univers qui n'est pas forcément plat, au contraire, qui va nous permettre d'entrer dans une profondeur de champ. Et donc, c'est effectivement connaître avant tout ça, donc tous les éléments, hein, chacun séparément, pour pouvoir justement les mettre en scène. Et là, on devient un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nos instruments de musique qu'on va justement animer pour créer, en fait, un, alors, je ne vais pas dire une...
voilà, un morceau de musique qui va être homogène, en tout cas, et qui va nous raconter une histoire. Donner du sens par le mouvement aussi, c'est-à-dire on ne fait pas bouger n'importe quoi, n'importe comment, il faut que ça ait une portée, que ça réponde à un objectif. Ça s'appelle le motion design, effectivement. Et pour mieux comprendre ce que c'est que le motion design, je vous propose qu'on le découvre en images. Mais d'abord, je te remercie, Jérôme. Et je te dis à tout à l'heure, on se retrouve pour parler du master. À tout à l'heure. Il est maintenant temps de parler du game, du jeu vidéo, notre deuxième filière. Et pour cela, on reçoit Léo Capou et Myriam Wally, qui sont les référents de cette filière. Alors déjà, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire être référent de la filière ? Être référent de la filière, c'est basiquement s'assurer qu'à la fin, les élèves, ils auront un travail. Ce qui est pas mal. C'est une grosse responsabilité. Un peu. En fait, ce que ça va englober, c'est s'assurer que la formation qu'on donne aux élèves est cohérente. Sur toutes les trois années, voilà, d'ailleurs. Sur les trois années du bachelor. Donc, les intervenants ne font pas trop de répétitions, que ça s'articule bien, et que ça s'articule bien par rapport au marché du travail ensuite et par rapport à l'industrie. Donc, qu'en gros, on leur apprend ce dont ils ont besoin pour ensuite trouver du travail. Voilà, donc vous avez une vision globale de la formation en bachelor sur l'intégralité des sujets. Et c'est pour ça que vous êtes deux, c'est parce qu'on a décidé que sur le jeu vidéo, il y avait deux aspects fondamentaux. Il y a ce qu'on voit, donc l'art du jeu vidéo, et ce à quoi on joue, donc le game design et le gameplay. Pour ça, on s'est adressé à des professionnels qui ont une vraie vision du marché. Myriam, tu es cofondatrice du studio Accidental Queen. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, Accidental Queens, c'est le studio que j'ai cofondé en 2017, après la sortie d'un premier jeu qui s'appelle Enormal Lost Phone, qui est un jeu qui a d'abord été produit en Game Jam. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un prototype en temps limité, que ce prototype, ensuite, on l'a mis sur Internet, il a fonctionné. Et à partir de là, on a monté le studio. Donc, de quoi parle ce jeu ? C'est une enquête narrative dans un téléphone perdu. On doit découvrir en fait, qui était son propriétaire. Et en menant cette enquête, on va découvrir des choses sur la vie de l'ancien propriétaire du téléphone. Et tout ça sert à faire passer un message sur un sujet de société. Je ne vais pas spoiler. Et ce jeu a placé un petit peu les bases de ce qu'on a voulu faire avec le studio. C'est des jeux qui sont avant tout divertissants, qui sont des jeux vidéo dans lesquels on qui ont un format, un gameplay qui sont innovants et intéressants, mais qui en même temps portent des messages sur des sujets de société qui nous tiennent à cœur. Donc il y a eu Enormal Lost Phone, ensuite il y a eu un deuxième jeu. Il y a eu ensuite Another Lost Phone, Laura Story, qui est une enquête narrative sur un petit peu le même format, dans un téléphone perdu, mais qui parle d'un tout autre personnage et d'un tout autre sujet. Et ensuite, on a sorti un troisième jeu qui s'appelle Alt Frequencies, qui est un jeu sonore, qui est également une enquête narrative, mais c'est aussi dans une radio. En fait, on va jouer avec les fréquences et avec les différentes émissions de radio pour découvrir ce qui se passe dans une boucle temporelle, donc un petit côté science-fiction. Par la suite, on a produit d'autres prototypes, mais qui ne sont pas sortis. Et maintenant, on fait principalement de la prestation de service. Donc, on travaille sur des projets ou pour d'autres entreprises. Donc, vous apportez votre expertise à d'autres studios qui ont besoin de vous pour avancer. Exactement. Les trois jeux dont on vient de parler, ils sont disponibles sur quelle plateforme ? Alors, ils sont disponibles sur mobile, justement, sur téléphone, donc iOS et Android. Ils sont également disponibles sur PC et Mac, donc sur les stores habituels, Steam, Itch, GOG. Et ils sont aussi portés sur Switch, sur console Nintendo Switch.
D'accord. Léo, tu es cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Prismatic. Qu'est-ce que vous faites ? Donc nous, Prismatic, alors on est une SCOP, c'est assez important de le dire, c'est une société coopérative. Et nous, donc, on fait que de la prestation de services pour des entreprises, collectivités ou associations d'ailleurs, afin de réaliser des jeux à objectif sérieux. Donc en gros, nos clients, ils ont un besoin, c'est faire passer un message, réaliser une formation par exemple, voilà. Très souvent, quasi exclusivement sur des sujets un peu sociétaux, un peu d'engagement, on ne travaillerait pas pour des groupes pétroliers par exemple, pour citer que ça, comme exemple, et on a déjà refusé de travailler avec des groupes pétroliers d'ailleurs. Et donc du coup, nous, on leur propose une solution ludique qui est physique, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas du jeu vidéo, on fait du jeu de société, de l'escape game, ce genre de choses, des animations aussi, voilà, c'est toujours du physique et c'est toujours sérieux, voilà, comme je disais, nous ça fait depuis 2015 qu'on fait ça, et voilà, donc uniquement la prestation, on n'a pas de jeu à nous propres, c'est pas notre métier, c'est pas la voie qu'on a choisie. Et pour le coup, si je peux vous donner un exemple, par exemple, donc vous connaissez Wikipédia, je pense que tout le monde connaît Wikipédia, du coup, nous, on a fait un jeu pour eux qui est disponible en ligne, hein, qui s'appelle Wikis, donc W-I-K-E-Y-S, qui est un jeu qui sert à parler des clés de compréhension de Wikipédia pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, qui est un jeu intégralement gratuit, hein, que tout le monde peut télécharger, il est imprimable, il est aussi jouable en ligne, qui permet voilà, d'expérimenter ça. Qui à la base est pensé pour les écoles, pour que les professeurs puissent faire jouer les élèves et qu'à la fin, ils aient compris des choses sur Wikipédia. Et la spécificité de Prismatic, c'est que on fait ces jeux et on les fait de manière très accessible et très ludique en fait en réalité, puisque le serious game a quand même une image un petit peu poussiéreuse de « ah là là, ça va être un peu chiant », etc. Bah, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait et on essaie de faire du jeu voilà, vraiment moderne, original. On ne se limite pas, c'est l'exemple que je donne tout le temps, on ne se limite pas à changer les noms des villes sur le Monopoly, quoi. Enfin, voilà, c'est un exemple qui parlera à tout le monde, je pense, pour comprendre pourquoi c'est pas la meilleure idée de faire ça. D'accord, donc on a deux aspects du jeu, et du jeu vidéo, certes, mais du jeu, c'est-à-dire un aspect qui est plutôt ce qu'on connaît, le joueur qui a envie de se distraire, puis on a le serious game, et ce sont deux véritables secteurs aujourd'hui du jeu. Mais on n'a pas que ça, vous êtes un duo aussi, parce que d'un côté, Myriam, on a le game art, et chez toi, on a le game design. Ça nous permet de composer un programme complet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation ? Alors, au niveau du game art, la formation, elle est surtout axée autour d'un fondamental qui est le dessin. Vraiment pour travailler dans ce milieu-là, il faut savoir dessiner. Les étudiants vont avoir des cours de dessin traditionnel pour commencer, du dessin d'observation, du dessin de modèles vivants, du dessin d'architecture, d'objets, etc. D'abord pour entraîner leur œil, pour apprendre à regarder, pour apprendre à travailler leurs traits. Et ensuite, ils vont passer sur des formats numériques. Donc avec moi, ils ont des cours de dessin numérique pour apprendre à utiliser des outils type Photoshop, suite Adobe en général, qui sont un peu les standards de l'industrie. Ils vont également avoir des cours de 3D. Ils vont avoir des cours d'animation. Voilà. Et globalement, une formation artistique qui est assez généraliste, en tout cas sur les 3 années du bachelor, pour toucher un petit peu à tout le domaine du game art. Et du côté du game design ? Alors, nous, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on essaie de leur apprendre la créativité. ça commence par ça, parce que la première base du game design, c'est d'avoir des idées. Donc, on les fait travailler sur la culture pour qu'ils comprennent qu'ils aient des bases, qu'ils voient des choses vers lesquelles ils ne seraient pas allés naturellement et qui, pourtant, sont très importantes pour se construire. Et donc, du coup, on a 3 grands axes qu'on développe au long des 3 années. Donc, le game design classique, quand en général, quand les gens parlent de game design, ils parlent de system design, donc établir des règles de jeu, avoir une idée, la cadrer. Le level design, organiser du coup l'espace de jeu, donc ça peut être dire là je vais mettre un petit chemin, là je vais mettre quelqu'un qui a une quête, il va demander de récupérer, je sais pas moi, 2 choux qui sont en fait à l'opposé, etc. Donc il faut les ramener, bon voilà, ça c'est une quête, du level design. Et du narrative design qui consiste non seulement, bon, l'aspect scénario que tout le monde voit facilement, mais aussi l'aspect qu'est-ce qui va être raconté dans le jeu. Si je mets à cet endroit-là une charrette cassée, je peux me dire que, ah en fait il y a quelqu'un qui a eu un accident ici, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc raconter des choses à partir de même
même les interfaces en fait peuvent raconter des choses dans un jeu. Et donc c'est un peu les trois grands piliers qui vont travailler tout du long avec nous sur les trois années. Alors c'est réparti différemment en fonction des années, mais l'idée c'est ça, c'est de les faire travailler sur ces trois aspects-là. Et donc beaucoup de rédaction de documents, parce que forcément nous on est un métier qui, en gros le game designer il permet à toute l'équipe de travailler correctement. C'est-à-dire que si on ne sait pas où on va, on fait rien, on peut faire les meilleurs dessins du monde qu'on veut, si c'est pour, si on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, voilà, il n'y a pas de jeu. Et donc du coup, si le game designer n'est pas capable de s'exprimer correctement sur ce qu'il a imaginé et qu'est-ce qu'il faudrait faire, ça a posé pas mal de problèmes. Donc on les fait travailler pas mal là-dessus, de la rédaction, et voilà quoi. Ils ont aussi une partie programmation qui est non négligeable, parce que l'idée c'est qu'ils soient capables de prototyper eux-mêmes leur petit jeu et pas dépendre de quelqu'un d'autre. Alors on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard, mais le jeu vidéo c'est aussi une grosse histoire de dépendance et nous on essaie de limiter ça. Tu as dit deux métiers du jeu vidéo tout à l'heure, enfin on n'en présente que deux, mais en réalité il y a quand même d'autres branches qui ne sont pas l'expertise de Yartube, donc c'est pas notre propos ici, mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a d'autres métiers aussi, évidemment. Voilà, il y a des cours de développement, ce ne sont pas des cours de développement généraux, on n'est pas une école d'ingénieurs en développement, c'est du développement appliqué aux jeux vidéo, spécifiquement. Oui, c'est ça. D'accord. On parlait de l'aspect généraliste de cette formation. La première chose, c'est selon les années, on va avoir plus ou moins d'heures de cours. On commence en première année avec un plus gros volume de cours et petit à petit, il y en a moins. Pourquoi ? En fait, en première année, le but, ça va vraiment être d'inculquer les fondamentaux, de s'assurer en fait que tous les élèves vont avoir une base solide dans leur domaine de compétences respectifs. En deuxième année, on va avoir des techniques plus avancées. Et qui vont commencer à être appliqués à des projets. Donc on va travailler sous forme d'ateliers sur des sujets un petit peu divers pour qu'ils puissent toucher à plusieurs techniques, à plusieurs domaines un petit peu autour du jeu vidéo. C'est le moment aussi où ils vont commencer à travailler en équipe, vraiment, pour s'entraîner en fait, à ce qui sera plus tard les conditions de l'industrie. Et enfin, en troisième année, il y a beaucoup moins de cours. Par contre, il y a un projet au long cours sur toute l'année sur lequel, bien sûr, les étudiants et les étudiantes seront accompagnés par des professionnels, par nous déjà, et également par d'autres professionnels de l'industrie qu'on fait venir en fonction des besoins des différents projets. Donc ça peut être des professionnels du narrative design, de la modélisation 3D, de la programmation, enfin, voilà, en fonction des besoins de chaque projet. Et du coup, là, les élèves vont passer beaucoup plus de temps à travailler sur le projet. Et à la fin de l'année, il y aura un jury professionnel durant lequel les projets vont être évalués dans les conditions de l'industrie. Oui, parce que il y a deux choses, il y a la théorie et la pratique, il y a un temps pour les deux, et du coup forcément on commence par pas mal de théorie, mais on apprend jamais mieux qu'en pratiquant, et donc du coup on essaie de leur laisser le maximum de temps pour que, enfin comme les projets se complexifient aussi, parce que tu parles des différents projets, mais en fait tout ça, ça ne fait que monter en complexité au fur et à mesure, et donc voilà, ils ont de plus en plus de travail en groupe et en autonomie pour se casser les dents, hein, et pas trop d'autres manières de le dire, hein, sur la réalité concrète, pour passer justement à la barrière de j'aime jouer à j'aime créer. D'ailleurs, là-dessus, je pense que c'est important de préciser que dès la première année, il y a beaucoup de pratiques, parce que le but, c'est quand même de pratiquer et de s'entraîner, mais il y a toujours certains troncs communs qui sont incompressibles, par exemple les cours d'anglais. Il y a toujours des cours d'anglais comme au lycée, parce que c'est des choses qui sont très très importantes pour ensuite s'insérer dans le marché du travail, qui va être quand même majoritairement anglophone. C'est comme, par exemple, les cours de rédaction, parce qu'il y en a besoin. Oui, de toute façon, même les graphistes font des cours de game design, au final, parce qu'ils seront amenés à travailler avec des game designers, donc autant qu'ils voient un petit peu ce qu'ils font. Alors, au début, on fait la même chose, mais très vite, chaque classe a ses spécificités, et c'est évidemment plus difficile pour les game designers. Mais ils voient quand même ce qu'ont fait les autres, et ils partagent cette culture-là, parce que, il n'y a pas de raison pour qu'un graphiste n'ait pas le droit non plus d'avoir des idées de jeu plus tard. Ouais, c'est important qu'ils aient aussi une culture commune, parce que c'est ce qui va permettre ensuite que la communication se passe bien, que tout le monde parle le même langage, que tout le monde soit au clair sur les priorités dans une production de jeu, de savoir dans quel ordre on fait les choses, combien de temps prend telle ou telle tâche et de quoi il y a besoin en fait, dans le cadre du travail en équipe. Donc c'est important qu'au début, ils aient la même base. Voilà, et donc notre objectif, c'est qu'en troisième année, ils fonctionnent comme une sorte de mini-studio. Ils travaillent sur un projet qu'ils ont choisi, qu'ils ont pitché, et on les met en équipe. Et ensuite, on a nos intervenants professionnels
qui viennent, qui les accompagnent et qui les encadrent. Alors, qu'ils ont choisi, qu'ils ont pitché, oui et non, parce qu'ils font leur proposition et nous, on choisit parmi ce qui a été fait, ce qui nous semble intéressant, avoir du potentiel. La plus grosse contrainte, c'est surtout qu'est-ce qui est réalisable. Parce qu'on ne se rend pas compte, on va se dire qu'on va travailler 6, 7 mois sur un projet pour à la fin sortir 10, 20 minutes correctes, on va dire. Pas mal de gens qui ne connaissent pas trop vont se dire, disons que ça fait peu, mais en réalité c'est beaucoup. Hein. Si on étudie des grands jeux de gros studios, on parle de milliers de personnes qui produisent pendant plusieurs années pour à la fin faire un jeu qui fait 50 heures en tirant un peu au bout, quoi. Et du coup, ben voilà, nous on les entraîne avec ça et forcément, voilà, donc on choisit quand même, enfin, parmi les projets qui nous sont proposés. Et voilà, après les projets évoluent au fur et à mesure. Hein. Il n'y a aucun projet qui se termine en étant exactement le même concept que ce qu'ils avaient annoncé au début, mais c'est normal. Ils étudient leur projet et surtout c'est un projet où tout le monde, au final, apporte sa pierre à l'édifice. Ils ont projeté les projets en individuel, mais il faut aussi que toute l'équipe y adhère. Quoi. Donc forcément, le projet, il s'adapte pour coller à tout le monde. Quoi. Mais à la fin de l'année, on a un extrait de jeu jouable. En fait, on a une démo qu'on pourrait montrer à un éditeur pour aller chercher des sous, en fait. Parce que c'est une réalité du marché du jeu vidéo, notamment indépendant, c'est ben voilà, pouvoir avoir quelque chose de convaincant qui démontre un potentiel à la fois de fun, mais aussi commercial, parce que ben, c'est un critère aujourd'hui. Enfin, ça l'a toujours été, en vrai. Et donc, du coup, voilà, le but, c'est qu'on les met dans des conditions presque réelles de aller voir quelqu'un qui détient le sésame pour pouvoir continuer la production de ce jeu ou pas. Puis ça permet de les mettre aussi dans des conditions de production qui sont proches du réel, c'est-à-dire passer par toutes les étapes de cette production, d'avoir les bonnes méthodes pour faire des concepts, pour ensuite les raffiner, puis les choisir, puis les produire, puis les intégrer dans le moteur de jeu, donc pour les faire, pour que ce soit jouable, pour que ça bouge, voilà. Et à chacune de ces étapes-là, d'utiliser des techniques de travail qui sont proches de ce qui se ferait réellement dans un studio. Et donc, il y a certains de ces jeux qu'on peut retrouver sur notre page itch.io, donc c'est iArtsup en un seul mot, .itch.io, on peut les télécharger et y jouer, ce sont des réalisations de nos étudiants. Une fois qu'on a terminé ce bachelor, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les étudiants et les étudiantes qui ont terminé le bachelor sont aptes à aller sur le marché du travail, alors, si ils ou elles le souhaitent. Mais il y a la possibilité aussi de continuer en master, chez iArtsup ou ailleurs. Et d'ailleurs, on est très content d'avoir des étudiants qui sont pris à l'Engmin. Qui est notre ancienne école, on peut quand même le dire par acquis de conscience. Voilà. Et qui est l'une des meilleures écoles de jeux vidéo. Oui. Très très sélective. Nous, on a réussi, on arrive tous les ans à envoyer plusieurs étudiants là-bas. On est très fiers. Juste iArtsup, il y a d'autres iArtsup qui en envoient aussi également. Mais il y a très peu de places, elles sont chères. Donc, l'école est gratuite, mais les places sont chères. Justement parce qu'elle est gratuite. Et donc, du coup, voilà, effectivement, on ne prépare pas tous les élèves à y aller parce qu'il n'y a pas la place de les accueillir de toute façon, on est très content que la qualité de l'école soit reconnue, notamment par les juvines, pour le recrutement de ses étudiants. Et le but de poursuivre en master, c'est vraiment de la spécialisation. C'est, comme je disais, les profils sont plutôt généralistes à la fin des 3 ans. Et donc, s'il y a des personnes qui souhaitent vraiment se spécialiser dans un métier beaucoup plus précis, donc c'est à ça que va servir ensuite le master. Et même le projet, en fait. En réalité, c'est souvent à travers le projet de 3e année qu'ils se sont rendus compte « Ah tiens, cette partie-là, en fait, elle m'intéresse fortement et donc je veux la pousser. » Très bien. Myriam, Léo, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Nous allons maintenant passer à la 3e filière de notre formation, et cette filière, c'est l'animation, mais d'abord je vous laisse avec quelques images de nos jeux vidéo. Voilà, comme promis, on va maintenant parler du cinéma d'animation. Le cinéma d'animation partage avec le jeu vidéo ce côté créatif, ce côté travail en équipe, mais c'est quand même une industrie qui a des particularités et des spécificités. Pour parler de l'animation, on va discuter avec Laurent Leleu,
Bienvenue Laurent. Merci, bonjour. Laurent, tu es référent de la section animation. Alors qu'est-ce que ça veut dire référent de la section animation ? Alors référent, ça veut dire que j'essaie d'aider l'équipe pédagogique à faire en sorte que le programme soit cohérent et que tous les intervenants interviennent de façon un peu avec des ponts en fait entre les différents cours, afin que les étudiants sentent qu'il y a un lien, que les cours ne sont pas des cours séparés, mais que tout ça c'est lié, et qu'après qu'ils travailleront, tous ces sujets-là sont partie d'une même chaîne de production. Sur le cinéma d'animation, on a de la 2D, on a de la 3D, on a des tas de technologies aussi et d'outils qui cohabitent. On ne peut pas former les étudiants à l'ensemble de tous les sujets. Ils peuvent se former en 2D, ils peuvent se former en 3D, mais ils ne peuvent pas maîtriser tous les outils qui existent. Où est-ce qu'on se concentre, en fait ? Alors nous, on essaie de se concentrer essentiellement dans l'apprentissage de la chaîne de production d'un film d'animation. Le but, c'est qu'ils comprennent quelles sont les différentes étapes. Ils ont des cours dans toutes les étapes d'une chaîne de production d'un film d'animation ou d'une série animée. Et après, le but, c'est qu'ils puissent raconter une histoire et donc véhiculer des émotions au travers de l'animation. Donc, ça commence par l'écriture d'un scénario, l'écriture d'un storyboard, le chara-design, la confection des décors, des animations forcément, jusqu'au compositing, qui est le fait de tout mettre ensemble pour avoir une vidéo finalisée. D'accord. Donc, comme je le disais, on peut parler d'outils entre Animate, Tiny Paint Studio ou d'autres outils. Mais pour nous, l'essentiel, ce n'est pas les outils. Oui, on les forme aux outils, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent véritablement comment on crée un film d'animation du début à la fin. Toi, tu viens du studio Ankama. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que fait Ankama pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Oui, alors Ankama, c'est une société transmédia qui est localisée à Roubaix. De transmédia, ça veut dire qu'ils font du jeu vidéo, notamment le jeu vidéo Dofus. Ils font de la série animée et ils font aussi de l'édition de bande dessinée, avec aussi, bien sûr, du marketing, quelques produits marketing à côté pour développer leur univers. Donc Dofus, le jeu vidéo qui a donné lieu à un film d'animation, suivi par Wakfu, la série d'animation, plus récemment Mutafukaz, Princesse Dragon. Et on a la quatrième saison de Wakfu qui arrive, donc c'est pour le coup une entreprise reconnue dans le milieu du jeu vidéo, mais surtout de l'animation. Donc tu as cette vision globale de comment on produit un film d'animation. Aujourd'hui, nos étudiants, ils vont avoir combien de types de cours différents ? Alors, les cours qu'ils vont avoir, c'est essentiellement des cours qu'on va leur apprendre à les outils de production. Donc, on va leur apprendre notamment le chara-design. Character design, c'est créer les personnages principaux. Alors, comment créer un personnage principal et surtout, comment lui donner déjà un caractère et une personnalité qui s'exprime déjà, ne serait-ce que par le dessin. Oui. On va leur apprendre, donc, il y a tous les cours de dessin pour perfectionner l'art du dessin, donc dessin d'observation, modèle vivant. Toutes ces choses-là pour affiner le dessin. Il y a des cours d'animation, notamment, et le but des cours d'animation, ce n'est pas tant d'apprendre un outil que d'apprendre les techniques d'animation, parce que ces techniques sont globales. Quelle que soit la méthode d'animation qu'on utilise après, que ce soit de la 2D, de la 3D, de la pâte à modeler, quoi que ce soit, les principes, ce sera les mêmes. Donc, on les voit en 2D en première année, et après, ils peuvent l'appliquer en 3D s'ils ont les cours de 3D en deuxième année. Et après ça, il y a aussi les cours, bien sûr, d'anglais, pour apprendre justement à parler en anglais, parce que déjà, il y a pas mal de logiciels qui fonctionnent en anglais, et ils peuvent être amenés à travailler dans des studios à l'étranger, donc c'est bien de pouvoir parler de leur métier en anglais. Alors, comme dans le jeu vidéo, la première année est chargée en cours, et petit à petit, on en a de moins en moins pour arriver à une troisième année qui se concentre sur un projet. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets, ou plutôt de ce qu'on leur demande en troisième année ? Oui, le but, effectivement, comme on veut qu'ils apprennent à savoir faire un film d'animation de A à Z. Le but, c'est qu'en troisième année, ils produisent un court-métrage d'animation d'à peu près 5 minutes en groupe, mais de A à Z. Ils créent le scénario, ils font les storyboards, ils font les personnages, ils font les décors, ils font l'animation jusqu'au compositing final. Sachant qu'ils travaillent en équipe et que les équipes, bien sûr, sont des équipes équilibrées. Donc, on intervient un petit peu dans la composition des équipes pour être sûr que dans chaque équipe, il y ait quelqu'un qui soit doué en character design, quelqu'un qui soit intéressé par l'animation, quelqu'un qui soit intéressé par les décors, histoire qu'à la fin, le projet puisse être finalisé de manière satisfaisante. Et donc, c'est un long métrage d'1h30 ? Non, c'est un court métrage. C'est un court métrage
en 7 mois, 5 minutes, c'est déjà bien. Ouais. Si on arrive à faire un court-métrage de 5 minutes, c'est bien. Je pense que c'est le maximum qu'on puisse atteindre. Plus, c'est soit qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas être finalisé et ce ne sera pas bien ni pour nous ni pour l'étudiant. En fait, ça, c'est important. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous rejoignent en disant « j'aimerais faire un film d'animation ». Et l'une des premières choses qu'on leur apprend, c'est qu'ils ne pourront pas faire un film d'animation tout seul. Ah non, c'est un film d'animation, ça se fait en équipe. Effectivement, quand on travaille dans un studio où les équipes sont assez nombreuses, pour un film d'animation, c'est à peu près une centaine de personnes qui vont travailler sur à peu près 5 ans. Donc effectivement, en 7 mois, avec une équipe de 5, on ne peut pas faire un film d'une heure. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une chaîne de production, ça marche en escalier. C'est-à-dire que les premiers qui travaillent au scénario et au storyboard, c'est eux qui commencent à travailler. Pendant ce temps-là, les autres ne sont pas encore là. Et une fois qu'ils ont terminé, on entame la suite. Du coup, on embauche des artistes pour faire la suite, qui, au fur et à mesure, vont travailler aussi. Quand ils auront fini, on va embaucher la suite. Et donc, tout va se travailler comme ça en escalier. Ce qui fait que sur à peu près un film, sur une production de 5 ans, ils vont peut-être travailler un an et demi à peu près sur le temps de travail pour eux-mêmes. Sur leur poste. Et ensuite, ils passent sur un autre projet. Et après, ils vont dans un autre studio bosser sur un autre projet, pas forcément sur le même poste. C'est ça que c'est pour ça aussi qu'on aime bien leur montrer tous les métiers de l'animation. C'est pour qu'ils puissent aussi être polyvalents, qu'ils puissent aller sur un studio et travailler en tant qu'animateur, et après aller dans un autre studio travailler sur les décors ou travailler sur le chara design, par exemple, pour qu'ils puissent vraiment avoir plein de portes ouvertes. Plein de cordes à leur arc. Voilà. Aujourd'hui, pour toi, nos étudiants en cinéma d'animation, ils ont quelles spécificités? Pourquoi est-ce qu'ils nous rejoignent sur le cinéma d'animation? Alors, ce que j'ai trouvé dans tous les étudiants qui viennent ici, c'est qu'ils ont des choses à dire. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé, c'est que dès le début, ils ont envie de raconter des choses, ça se sent. Alors, on est obligé un peu de les freiner, parce que souvent, ils ont envie d'en faire trop. On leur dit non, pour l'instant, c'est pas encore tout le savoir nécessaire pour faire quelque chose de bien. Vous risquez d'être déçus, donc faites d'abord des choses simples, mais on sent qu'ils ont des choses à raconter, ils ont des choses à dire, et ça c'est important, parce que c'est ça qu'on veut développer, c'est plus tard, on veut des artistes qui ont des choses à raconter, et qui pourront peut-être, pourquoi pas, initier des projets, et vraiment faire un film où ils seront réalisateurs, par exemple. Ouais, il y a ce bouillonnement créatif, effectivement, il y a des choses qui doivent sortir, et on leur apprend à canaliser cette énergie pour réussir à en faire un objet, véritablement, un film d'animation. Aujourd'hui, donc, pour les premières années, on leur apprend les fondamentaux de la 2D et de la 3D, on leur apprend la scénarisation, le storyboarding, etc. À la fin de l'année, à la fin du bachelor, est-ce qu'ils sont prêts à aller sur le milieu professionnel? Alors, normalement, oui. Normalement, ils ont vu toutes les étapes de chaîne de production, ils ont pu aussi voir ce qu'eux, ils aimaient faire et dans quoi ils étaient doués. Donc, normalement, ils sont capables de postuler dans un studio et de commencer à travailler. Après, effectivement, s'ils souhaitent se spécialiser, ils peuvent faire un master où là, ils vont pouvoir se spécialiser dans un domaine particulier. Ça peut être la 3D, ça peut être la 2D, ça peut être les effets spéciaux, enfin, en fonction de leur appétence. Et du coup, ils vont pouvoir se spécialiser, et, alors, pas forcément dans l'école de Lille, mais dans d'autres écoles d'IRTUP de France, qui chacune propose des masters spécialisés, ce qui va leur permettre du coup, d'approfondir un aspect particulier et de pouvoir, du coup, vraiment s'épanouir après dans le métier. D'accord. Donc, durant les trois premières années, on est généraliste, on goûte un petit peu à tout, on apprend ce qu'on aime, et puis un petit peu plus loin, on peut essayer de se spécialiser et d'aller devenir un expert dans un domaine. Laurent, je te remercie pour toutes ces informations. Et maintenant, je vous propose que nous nous retrouvions avec quelques étudiantes qui vont nous parler de leur parcours chez nous. Mais d'abord, quelques images de ce que nous produisons en animation. Et comme promis, nous nous retrouvons avec Fanny et Léopoldine. Bonjour. Fanny et Léopoldine, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu dans quelle filière vous êtes et ce que vous étudiez? Je vais commencer du coup. Moi, c'est Fanny. Du coup, je suis en deuxième année de Game Art actuellement, j'ai 18 ans. Et je compte me spécialiser dans le concept art et dans le chara design.
D'accord. Alors, Cara Design, on l'a dit tout à l'heure, c'est créer les personnages principaux. Et concept art, c'est quoi ? Concept art, c'est tout ce qui est création de graphisme pour préparer la production après. C'est-à-dire que c'est les tout premiers sketchs, parce qu'on fait plein d'essais pour voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux avec ce qu'on essaie de faire passer et avec le projet qu'on a en face de nous, pour ensuite produire les designs finaux qui seront reproduits par les artistes selon leurs tâches. Ok. Léopoldine ? Moi, du coup, je m'appelle Léopoldine, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année à Yartsupeli en animation de D3D. Fanny, je te recopie, pardon. Et moi, plus tard, ce qui m'intéresserait, ça serait l'animation FX. Donc, c'est tout ce qui est effets spéciaux dans l'animation. Voilà. D'accord. Alors, les effets spéciaux, c'est, on va dire, le feu, l'eau, la terre, la poussière, la lumière, la magie, etc. La magie, les lasers. Voilà. Donc, c'est tout ce qui n'est pas les personnages ou les décors, mais qui vient finalement donner vie. C'est ça. C'est la, si j'ai bien compris, c'est la dernière chose en fait qu'on rajoute sur l'animation. On fait avant le paysage, le personnage et les FX, c'est à la fin. Et ensuite, on fait le compositing, on vient assembler tout ça. Le montage et voilà. D'accord. Fanny, pourquoi est-ce que tu as choisi le game art ? Qu'est-ce qui t'a conduit dans cette filière ? J'ai choisi de faire game art plutôt que animation, par exemple, parce que l'aspect du jeu vidéo qui me plaît le plus, c'est l'interaction avec le joueur. J'ai toujours apprécié, même quand j'étais plus jeune, créer des univers, créer des petites histoires avec mes propres petits personnages. Mais le fait de penser que des gens que je connais pas et que je connaîtrai jamais pourront vivre des choses et peut-être même apprendre des choses sur eux-mêmes grâce à quelque chose que moi j'ai fabriqué, c'est vraiment ce qui me pousse à continuer dans cette voie. Ok, et Léopoldine ? Avant tout, je suis une passionnée du dessin et c'est vrai que il y a quelques années, j'ai découvert en fait l'animation. J'adorais regarder des films Ghibli, surtout après des animés. Et en fait, j'ai découvert plus tard qu'il y avait des écoles d'animation et ça a été un peu le déclic où je me suis dit, ok, c'est ça ce que je veux faire, sachant qu'à côté il y avait tout ce qui était création de personnages. Et c'est vrai que j'adore transmettre mes idées en dessin et je trouve ça encore mieux animé. Et alors, lorsque vous étiez au collège, au lycée, est-ce que vous vous sentiez déjà artiste ? Est-ce que vous aviez déjà ce bouillonnement créatif ? Alors, personnellement, au collège, pas du tout. Parce que je me suis rendu compte que je voulais faire ce que je fais actuellement pendant le confinement. Parce que tout le monde a eu un peu plus de temps pour réfléchir un petit peu vraiment sur sa personne et ce qu'il veut faire de sa vie. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout médecine comme je pensais au collège, ou même encore au début lycée. Mais à partir du lycée, j'ai eu la chance d'intégrer l'option art plastique de mon lycée et de me retrouver dans un groupe de personnes qui partageaient mes centres d'intérêt, où est-ce qu'on exprimait tous notre créativité. Et le jeu vidéo, ça m'a paru le moyen le plus intéressant et le plus épanouissant pour moi de faire passer cette passion artistique et créative. D'accord. Et Léopoldine ? Moi, c'est vrai que déjà, au collège, je commençais un peu à dessiner, mais il est vrai que c'était un peu, on va dire, mal vu d'avoir ce surplus d'imagination. Donc, je me suis énormément restreint de ma cinquième jusqu'à ma troisième. Et après, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, où là, ça a été une bombe. Et je dessinais non-stop. Et c'est là où après j'ai pu intégrer un lycée assez artistique avec une option musique, une option théâtre, une option art plastique. Là vraiment je me suis sentie à ma place et du coup même à Yartsup je me sens encore plus à ma place. Et ici, vous avez quel parcours ? Comment vous vous sentez dans l'école ? Il se trouve que Léopoldine et moi, en plus d'être du coup toutes les deux en deuxième année, on fait aussi toutes les deux partie du BDE. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on a aussi la chance d'organiser littéralement la vie étudiante. Et je pense qu'on a la chance du coup d'avoir au sein de l'école un support important de ce point de vue-là. C'est on nous laisse pas juste au BDE en mode « Allez-y, organisez, débrouillez-vous, faites en sorte que les étudiants ils s'amusent, nous on a autre chose à faire. » C'est on est vraiment accompagné là-dessus et l'école prend soin de ses étudiants en fait, juste de façon générale. C'est ça, je trouve qu'on a eu, en tout cas Yartsupeli, c'est une école qui est extrêmement à l'écoute. Les professeurs, l'équipe pédagogique, directeur, vraiment, c'est vrai qu'on ne se sent pas lâché parce que c'est vrai qu'on a un peu cette peur-là des études supérieures. Par exemple, à la fac, c'est vraiment autonomie totale. C'est vraiment on se débrouille comme on peut. Là, je trouve qu'on a cette autonomie, mais en même temps, on est encore cadré, ce qui fait qu'on n'est pas totalement perdu. Et c'est vrai, ce qu'on expliquait sur les autres filières, c'est plus les années passent,
plus on a de temps à côté pour justement en fait s'organiser. Et en fait, on sait à la fin s'organiser. Donc c'est vrai, même par rapport au BDE, on a un président de qualité, on ne va pas le nier. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a toute l'équipe pédagogique, l'équipe de l'école qui est derrière nous pour nous aider. Donc vraiment, sur ça... Libre mais pas perdu. C'est ça, totalement. C'est ça, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez envie de donner un mot de la fin sur IARTSUP et sur votre parcours chez nous ? Un mot de la fin, très vaste. Très vaste, comme très, 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 très vaste. Bah, déjà, vous pouvez venir nous rencontrer en JPO, parce qu'on est... En fait, on fait partie du BDE, mais également de l'équipe animation. On est donc, vraiment là sur les salons si et les JPO. Vous nous verrez sûrement. Et voilà, et faut pas écouter les autres. Il y a plein de débouchés, et justement, la jeunesse, let's go, quoi. Et pour moi, je pense aussi aux personnes qui ont déjà commencé des études et qui se rendent compte que bah au final c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire et qui se disent mais si seulement j'avais fait ça avant, si seulement j'avais pensé, bah il est pas trop tard, vous pouvez encore le faire. Moi que je me souviens, quand j'étais au lycée, je voulais faire médecine, et ensuite il y a eu le confinement, et en fait je me suis rendu compte que bah non, pas du tout. C'était juste, je me suis dit médecine c'est un truc de gens intelligents, je vais faire ça pour être bien vu, mais en fait moi je voulais faire du dessin. Donc si vous avez des doutes, bah encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir en JPO pour nous rencontrer, pour voir un petit peu vraiment ce qu'on fait de façon plus concrète, et lancez-vous, quoi. Ouais, foncez, n'hésitez pas. Fanny, Léopoldine, je vous remercie beaucoup. On va maintenant accueillir Rachel, qui va nous parler, elle aussi, de son parcours en master. Et la suite, après le bachelor, c'est le master. On l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt, mais là, on va vraiment faire un focus. Pour ça, on retrouve Jérôme, qu'on a vu tout à l'heure, et puis Rachel. Bonjour, Rachel. Rachel, aujourd'hui, tu es en cinquième année de direction artistique. Durant le bachelor, on acquiert toutes les compétences nécessaires à devenir un professionnel. Et puis, on arrive en quatrième année et tout est bouleversé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Donc, c'est bien ça. À partir de la quatrième, c'est un peu bouleversé. On entre donc dans le master et donc on commence toute la partie alternance, en plus des cours. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Notre emploi du temps, les projets aussi. Et on découvre vraiment toute la partie professionnelle et... la vie en entreprise. Ouais. Alors, en quatrième année, on a l'habitude de commencer par une première semaine intensive, parce que le rythme, c'est en réalité que tu es 4 jours par semaine en entreprise, et toutes les 4 ou 5 semaines, tu as une semaine entière chez nous. Et la première semaine, c'est la création d'une agence. On vous propose de créer une agence, de créer toute la charte graphique, votre positionnement, et ça lance complètement le projet, puisque ensuite vous allez travailler chaque mois sur un projet différent, souvent en partenariat avec une entreprise. Est-ce que tu as un souvenir fort de cette période en particulier ? C'est surtout le fait de travailler en groupe avec les camarades, de se retrouver ensemble et aussi d'avoir les visions de chacun. Ça fait aussi du bien de se retrouver ensemble et de travailler sur des projets différents de l'entreprise. Et c'est surtout ça qui est enrichissant pendant cette période. Et puis Rachel, tu as gagné un prix, tu as été récompensée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc j'ai gagné le premier prix du concours des éclairs créatifs. Donc c'est un concours qui a été créé par l'agence Ciel. Et donc j'ai gagné le prix Branding.
Qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce prix? Donc, il fallait créer... Enfin, le brief, c'était qu'il fallait recréer toute la direction artistique du festival Les Solidays. Oui. Et donc, et recentrer le message du festival au vrai message et sensibiliser à la cause du sida, enfin, au combat contre le sida. Et donc, de toutes les personnes qui ont participé à ce concours en France, c'est ton projet qui a été sélectionné. Pourquoi, d'après toi ? Des retours que j'ai eus des jurys, c'était surtout grâce au message que j'avais réussi à retrouver, enfin, vraiment le message qu'ils souhaitaient retranscrire à travers le festival. Donc, on en revient, Jérôme, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de comprendre le brief du client. Ce brief, il peut être explicite, mais quelquefois, il faut aussi être un petit peu télépathe, comprendre un petit peu ce que le client désire et réussir à y répondre. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est central durant le master ? Alors, c'est vrai qu'on met un point fort là-dessus. Hein. On parle beaucoup de stratégie. On en parle déjà dans les années précédentes, mais c'est vrai qu'on a une partie importante sur la stratégie. La stratégie, c'est justement comprendre ce que veut le client pour savoir le traduire justement d'une certaine manière. Et je reviens à ce que j'ai dit au tout début avec l'archéologie, hein, mais j'aime bien cet univers-là. Mais en fait, voilà, on est archéologue parce qu'on va aller fouiller dans l'histoire, et c'est ce que tu as fait, c'est très bien, dans l'histoire de la marque. Hein, voilà, c'est pas une marque puisque c'est Solidaise, mais c'est un sujet. Et de repartir sur l'historique de ce que tu as fait de ce projet pour justement le remettre au niveau et reparler de ça. Et au final, c'est ce qui a fait, je pense, la grande différence. C'est justement d'avoir été chercher les bonnes dates, les bons mots qui ont fait que la campagne était justement... voilà, c'était vrai. Et tout le monde s'est retrouvé, je pense, dans ton projet. Et c'est vrai que c'est... En tout cas, bravo encore à toi, parce qu'il y a un vrai sens, en fait, important là-dedans. Quoi. Bah oui, nous, on est très, très fiers que tu aies remporté ce prix. Et ça reflète pour nous, véritablement, le fait que tu es capable de comprendre ce que veut un client. Tu as toutes les compétences, ensuite, pour la mise en œuvre. C'est au cœur de notre formation aujourd'hui de mettre nos étudiants face à des vrais clients qui ont des vraies exigences. Il y a des moments forts au cours de ce master, les années 4 et 5. Est-ce que tu as d'autres exemples de ça ? Alors, des exemples, oui, on a travaillé avec des projets qui étaient projets nationaux, avec donc des vrais briefs hein, de clients qui étaient donc des campagnes. Alors, récemment, c'est effectivement sur un univers d'ONG, hein, donc sur la Croix-Rouge, sur AIDS, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille dans un contexte très court, parce qu'en fait, les étudiants sont mis aussi à l'épreuve sur une semaine, avec un brief voilà, le lundi. Et puis, on va travailler ça avec l'itération, les idées pour la sortie des maquettes le vendredi. Donc, c'est très, très rapide. Ça les met justement en contexte de réalité, hein, puisqu'on a les gens pensent aussi que les idées, on a parfois 2 mois pour les trouver et 6 mois pour les fabriquer. Et non, en fait, ça se passe très, très rapidement. Donc ça, je trouve que c'est aussi un exercice important pour eux. Et les résultats sont plutôt, plutôt satisfaisants en général, puisqu'on gagne encore des concours. On gagne des concours. Donc, voilà. Alors, nos étudiants gagnent des concours, hein, faut être clair, c'est eux. Mais ils sont encadrés, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un travail en autonomie. Mais avec toujours un référent avec lequel échanger et qui les guide au fur et à mesure de la semaine. Alors on commence par réfléchir, c'est l'idéation, et puis petit à petit, on rentre dans la conception. Et à chacune de ces étapes, il y a un dialogue qui s'engage avec un professionnel issu véritablement des industries que vous visez et qui vous permet d'affiner et puis quelquefois d'atteindre la cible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce cycle ? C'est que il y a un moment extrêmement fort, ça arrive en milieu de cinquième année, ça s'appelle les grands projets, ça commence en fin de quatrième année en réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter l'histoire de ces grands projets, c'est quoi ? Alors ça commence fin de quatrième année par le mémoire, où chacun va choisir un domaine, une problématique, et à partir de ce mémoire, on va devoir apporter une réponse design à notre problématique. Donc, il peut avoir mille et une réponses, mais donc le résultat de la réponse à la problématique, elle se traduit donc par les grands projets qui a lieu donc là en janvier de la cinquième année. Ouais. Donc tu choisis un sujet qui te tient à cœur, tu trouves un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu vas le résoudre par le design ou par la communication. Oui. Donc, par exemple, toi, ton sujet, c'est quoi ?
Donc ma problématique, c'est comment mettre en valeur, valoriser les femmes cinéastes en France. Donc les femmes cinéastes, les scénaristes, productrices, réalisatrices. Donc tu as fait un mémoire de recherche autour de la place de la femme dans le cinéma. Oui, c'est ça. Et tu as détecté que la femme était quelquefois invisibilisée dans le cinéma. Ouais. Et donc tu proposes une action qui permettrait de les montrer, de les revaloriser. D'accord. Donc le jour des grands projets, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un stand. C'est ça. Que vous allez complètement scénographier. Et ensuite, il va y avoir des professionnels qui vont passer les uns après les autres. Et vous allez leur faire un pitch. Oui. Qu'est-ce qui est important à l'intérieur de ce pitch? Ce qui est important, je pense, c'est déjà de bien expliquer notre problématique. Et après, d'expliquer notre réflexion, toutes les étapes d'acheminement jusqu'à notre réponse et notre solution à cette problématique. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ces grands projets? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une période très intense, mais c'est vraiment enrichissant parce qu'on travaille chacun sur un sujet qui nous touche ou qui nous plaît. Et pendant cette période, on est vraiment stimulé par des choses qui nous plaisent et on a envie de répondre au mieux à cette problématique et de faire quelque chose de juste et qui réponde vraiment à la problématique. Alors Jérôme, c'est très très particulier ce passage des grands projets. On est probablement la seule école à proposer ce genre de choses. On propose à des designers un mémoire de recherche, déjà, ce qui est assez atypique, et ce qui prouve que pour nous, le directeur artistique a une réflexion et une vision sur la réalité. Toi, en tant qu'enseignant, en tant que à la fois enseignant chez nous, mais aussi en tant que professionnel à l'extérieur, qu'est-ce que ça t'inspire, ces grands projets? Qu'est-ce que tu as envie de dire dessus? Alors, c'est une étape super importante. Effectivement, je le sais, j'ai vécu ça avec eux. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que je les ai vus rentrer en première année et je les vois sortir en cinquième année. Et j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnes, en fait. Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, on se rend compte qu'effectivement, il s'est passé quelque chose, c'est plutôt positif. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est donc cette idée de recherche. Ils ont vécu, ils ont pendant une certaine période, ils se sont imbibés de ce sujet. Et surtout, c'est cette capacité à savoir vendre aussi, dont on n'a pas trop parlé. Mais c'est-à-dire que, effectivement, je peux produire quelque chose qui est sympa, qui est beau, si j'ai pas les arguments pour le vendre, en tout cas le partager et attirer l'attention, ça marchera pas. Et souvent, c'est d'exercice d'atelier, enfin pas d'atelier, de stand entre guillemets, voilà, où ils vont avoir des professionnels qui passent. Et effectivement, c'est intéressant de voir leur capacité justement à partager, à vendre entre guillemets leur conception et leurs produits et leurs services d'une manière professionnelle en fait. Et là, c'est l'aboutissement au final. C'est vrai que c'est génial. Et puis, il faut parler de ce jury aussi, qui est constitué de personnes qui viennent d'agences de communication, de directeurs artistiques, de directeurs de communication ou de marketing, d'institutions régionales ou nationales. Et donc, c'est vraiment trouver le courage de parler à ces personnalités-là, qui sont des personnalités notables, et puis d'être convaincant et d'avoir une posture professionnelle. La dernière chose dont j'ai envie de parler sur ton parcours, c'est une autre opportunité de devenir qui tu es, de te découvrir autrement, c'est le parcours international. Toi, tu as choisi de faire ce parcours international. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'était et comment ça s'est passé? Ok. Donc, c'était en troisième année. J'ai décidé de partir à Berlin avec trois autres camarades. Et donc, le rythme, c'était souvent le matin... on se retrouvait à l'école avec nos deux intervenants. Les cours sont en anglais, ce qui nous permet de nous améliorer pendant ces trois mois au niveau de l'anglais. Parce que pas le choix. Oui, c'est ça. ça permet aussi de rencontrer des camarades d'autres campus, et ce qui est intéressant aussi, de d'autres filières, il y avait Motions, enfin toutes les filières réunies. Et donc, le rythme là-bas, c'était pendant ces trois mois, le matin, on se rejoignait tous ensemble, on avait un brief
souvent un brief durait toute une semaine, et à la fin de cette semaine, il fallait montrer notre projet. Et ce parcours aussi à l'international, il était rythmé aussi par des visites de la ville. On rencontrait aussi des intervenants, des artistes, là, en l'occurrence de Berlin. Et c'était vraiment très enrichissant de les découvrir, d'apprendre plus sur leur parcours à eux. Et donc, vraiment, j'en tire des très, très bons souvenirs. C'est une expérience unique, ouais, là aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans une situation professionnelle. Et c'est important que tu puisses le faire pendant tes études, parce que ça t'a sorti totalement de ton contexte, et ça t'a permis de toucher à des sujets et de connaître une autre culture. Aujourd'hui, il est possible de le faire. Donc chaque année, on le propose pour nos étudiants qui peuvent se rendre sur d'autres campus IONIS, notamment à Barcelone, à Berlin, ou bien nous faisons chaque année des partenariats avec des campus et des universités spécifiques. On peut parler de New York, de Los Angeles. On a également des étudiants qui sont allés en Corée. Et chaque année, ces opportunités sont différentes en fonction des projets qui sont disponibles. Mais effectivement, je recommande véritablement de saisir cette chance si on en a la possibilité, parce que c'est une expérience qui restera, je pense, longtemps dans ta mémoire. Jérôme, Rachel, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'approfondir un petit peu cette quatrième et cette cinquième année qui regorge d'expériences totalement différentes et qui est très très riche, ce master très très riche. De notre côté, on va rejoindre Laura qui va nous expliquer comment se passe l'inscription, si vous vous posez encore des questions sur la manière de rejoindre l'école. C'est Laura qui va pouvoir vous le dire. Nous avons enregistré cette séquence parce que Laura est actuellement derrière le chat pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on vous y répond en direct. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Laura, je suis responsable des admissions à IRTUP de Lille et je suis accompagnée par Sarah, qui est chargée des admissions à IRTUP Lille. Et aujourd'hui, on va vous présenter comment intégrer notre école si vous êtes candidat et que vous souhaitez découvrir les métiers dans le domaine de la créativité. Tout à fait. Pour intégrer notre école, c'est assez simple. Le process, c'est de prendre un rendez-vous sur notre site internet ou de nous appeler directement pour pouvoir passer les entretiens. Il y en a deux. Il y en a un notamment avec Sarah sur la partie motivation. Sarah, qu'est-ce que tu attends un petit peu dans cet entretien-là, toi ? Alors, sur la partie motivation, ce que j'attends, c'est vraiment de découvrir la personne que je vais rencontrer, vraiment de découvrir son côté créatif, savoir ce qui l'anime depuis qu'elle a découvert qu'elle voulait faire un métier créatif. Ce qui l'intéresse surtout, et aussi la manière dont elle voit son avenir, comment elle travaille aussi. C'est hyper important de savoir si c'est quelqu'un qui préfère travailler en équipe, qui préfère travailler seule, savoir aussi comment elle imagine aussi travailler dans notre école. Et voilà, c'est vraiment un échange. J'aime pas trop dire que c'est un entretien, parce que c'est vraiment un moment où on apprend à connaître la personne et en fait on se découvre petit à petit. Et après, l'entretien de 30 minutes de motivation, c'est Laura qui enchaîne avec 30 minutes sur la partie book créatif. Alors un book créatif, c'est plutôt un portfolio de travaux. Ça va vraiment rassembler l'identité et la personnalité créative de l'étudiant. Ça peut être de tout, ça peut être sur tout support aussi. Ça peut être du dessin, de la peinture, du graphisme, du logiciel si on en fait, si on n'en fait pas, c'est pas grave. Ça peut être de la sculpture, de la musique aussi, du texte, des expos, une explication, projet, divers et variés. L'idée, c'est de découvrir vraiment le profil de l'étudiant, la sensibilité à minima artistique et de savoir s'il a le bon profil pour intégrer notre établissement. Sur le book créatif, ce qu'on cherche, c'est vraiment à découvrir votre univers. Donc, n'hésitez pas à être vous-même et vraiment à nous montrer ce que vous avez envie de nous montrer. On ne cherche pas forcément des books parfaits, on cherche juste à vous découvrir et le book, ça doit vraiment vous représenter. Donc, si c'est quelqu'un qui aime bien faire de la direction artistique, par exemple, souvent, ce qu'on aime bien retrouver, c'est de la photo, ça peut être aussi des débuts de graphisme. Quelqu'un très curieux, c'est ça. On cherche vraiment un profil très polyvalent, très curieux en direction artistique.
En animation, forcément, on va vouloir trouver du dessin, ça c'est sûr, puisque pour intégrer cette filière-là, il faut savoir un minimum dessiner. Donc on veut retrouver du dessin. Et pour la partie game, alors que ça soit la partie game plutôt artistique, en effet, là, ce sera aussi du dessin. Si c'est la partie game et creative coding, le dessin n'est pas une obligation, mais on va vouloir quand même avoir un profil un minimum artistique devant nous et qui soit aussi intéressé à du jeu. Voilà, ce qu'on veut retrouver donc avec Sarah, c'est vraiment les motivations avant tout, l'ambition professionnelle aussi, et avec moi, c'est vraiment sur la partie profil créatif, sensibilité à minima artistique. Le but, c'est de mettre à l'aise l'étudiant le plus possible aussi, et pour cela, on peut le faire ici à l'école. Les deux entretiens peuvent se passer à l'école. Ils peuvent se passer aussi à distance. On accepte aussi, quand l'étudiant habite loin, on peut comprendre qu'il ne puisse pas se déplacer ici à l'école. Dans ce cas, les travaux nous sont envoyés quelques jours avant l'entretien pour qu'on puisse, nous, en amont, regarder un petit peu tout ça de près et pouvoir être prêt le jour J à distance. Il faut savoir que les entretiens, c'est vraiment un moment privilégié qu'on a avec vous. Donc notre objectif, c'est vraiment de comprendre votre univers et de savoir si le projet correspond aussi avec ce que vous avez décidé de faire ici à l'école. Donc c'est vraiment votre moment et c'est un moment privilégié que vous allez avoir avec moi ou avec Laurent. C'est ça, pareil, si vous hésitez à un moment donné entre la direction artistique, l'animation ou le jeu, nous aussi, on est capable, à travers les deux entretiens, de savoir si un programme vous convient plus qu'un autre. Et pareil, s'il n'y a pas d'erreur possible, c'est-à-dire que si vous choisissez aujourd'hui la direction artistique et qu'à un moment donné, pour x ou y raison, vous partez en game, vous souhaitez partir en game, on a des passerelles qui sont possibles, que ce soit avant d'intégrer l'école, pendant ou même 6 mois ou 1 an après, on peut bifurquer d'un programme à un autre. On espère avoir été clair, on espère avoir été concis aussi. Encore une fois, Sarah ou moi, on est disponible quand vous voulez pour répondre à toutes vos questions. On peut même vous accompagner lors des journées portes ouvertes. Il y a aussi le responsable pédagogique qui peut vous aider à concevoir votre book. Ça, je pense que c'est important parce que souvent, cette partie-là vous met un petit peu dans l'embarras plus que finalement la partie motivation. Donc, on peut voilà, vous aider, vous aiguiller. Pour les supports, c'est pareil. Souvent, vous nous demandez un petit peu qu'est-ce qu'il faut et combien en quantité. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité minimale ou maximale à respecter. Le but, c'est vraiment de présenter des projets qui vous plaisent avant tout. C'est un échange que vous allez avoir avec nous. Ce n'est pas une présentation type exposé. Et le but, c'est en effet que ce soit sur une clé USB, que ce soit un site internet, un compte Instagram, des papiers, des feuilles volantes, vos dessins dans des cours de maths. Peu importe, en fait, tout est bon à prendre, tout est bon à regarder pour prouver que vous avez un profil créatif et pour prouver que vous avez votre place chez nous. Voilà, voilà. N'hésitez pas à venir découvrir l'école, c'est ça. Nous vous attendons et nos étudiants seront ravis de vous la présenter. Merci pour votre attention, à bientôt. Et bien voilà, merci Laura, nous arrivons à la fin de cette soirée, je vous avais promis qu'elle serait intense. On a rencontré beaucoup d'étudiants, beaucoup d'intervenants, j'espère surtout que nous avons répondu à la plupart de vos questions. Je reste à votre disposition avec toute mon équipe pour continuer à entretenir la discussion. Et puis surtout, nous espérons vous croiser prochainement lors de journées portes ouvertes ou lors de rendez-vous VIP, de manière à ce que nous puissions vous montrer notre école et puis que vous puissiez déterminer si vous vous sentez bien. C'est important, ce sera votre lieu de vie pour les prochaines années. On ne sous-estime pas l'importance de notre mission qui est d'accompagner nos étudiants vers l'apprentissage d'un métier, l'acquisition de méthodes. Nous connaissons les secteurs dans lesquels nous travaillons et qui sont aussi les secteurs qu'ils visent. Et c'est important pour nous de réussir à ouvrir les portes. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Bonne soirée.